disque dur mécanique, SSD. Bon, lequel des deux dure le plus? Lequel des deux tient encore la route? Bienvenue à votre rendez-vous du vendredi. Comme vous le savez, chaque vendredi, nous parlons de technologie. Pour ce numéro, nous allons parler de la durée de vie d'un disque dur mécanique face à la durée de vie d'un disque SSD. Nous avons décidé de répondre à cette épineuse question parce que précédemment, nous avons fait une vidéo, une démo pour expliquer un peu la durée de vie d'une batterie. Et là, nous avons été sollicités par plusieurs personnes pour chercher à savoir aujourd'hui quelle est la durée de vie d'un SSD par rapport à la durée de vie d'un disque dur mécanique. Les gens ont coutume de dire disque dur SSD. Le SSD n'est pas un disque dur. Donc, disque SSD. Quelle est la différence entre un disque dur et un SSD? Ce qui est bon à savoir, voilà, c'est qu'un disque dur est doté d'un plateau avec une tête de lecture qui facilite tout ce qui est lecture et écriture de données. Par contre, un SSD, c'est une grosse clé USB en gros. Voilà, c'est une plaquette avec des cellules qui représentent des mémoires. Il faut dire en termes de stockage, le HDD l'emporte parce que le HDD, c'est aujourd'hui plus facile de trouver des HDD allant de 8 Tera à 16 Tera. Par contre, en SSD, on ne peut pas atteindre cette capacité pour l'instant. En termes de consommation, il faut dire que le SSD l'emporte parce que le SSD a une consommation allant de 0,5 watts à 2 watts. Voilà, par contre, le disque dur mécanique ou le disque dur traditionnel tourne entre 5 watts et 9 watts. En termes de température, chose qui est normale d'ailleurs, voilà, plus le disque est alimenté en électricité, c'est normal qu'elle va chauffer. Donc, le SSD chauffe quasiment pas. Voilà, la température est très négligeable. Par contre, le disque dur mécanique chauffe beaucoup. Quant à la vitesse, le SSD l'emporte parce que le SSD, aujourd'hui, nous avons des disques capables de tourner à 2400 à 3500 mégabits par seconde. Par contre, les disques durs mécaniques vacillent entre 5200 et 7200 tours par minute. En termes de solidité, il faut dire que le SSD l'emporte parce que là, tout de suite, si je lâche tomber deux disques durs, c'est-à-dire un disque dur mécanique et un disque SSD, voilà. Je dirais que j'ai plus de chances que le SSD ne soit pas endommagé parce que le disque dur mécanique, il a si la tête de lecture est endommagée. Voilà, je pense que quand je vais connecter à l'ordinateur, tout ce qui est lecture et écriture de données, voilà, ne pourront pas passer, quoi. Pour terminer en termes de durée de vie, le HDD, le disque dur mécanique ou traditionnel, vacille entre 3 et 8 ans. Une bonne durée. Le SSD par contre a une durée de vie maximum de 5 ans parce que le SSD a une durée de vie qui est limitée en fonction du temps d'écriture parce que le SSD, comme nous l'avons signalé, est une grosse clé USB, une plaquette dotée des puces. Donc nous avons progressivement, plus nous avons du temps d'écrire sur le disque, nous avons les cellules qui vont s'user. Et progressivement, le disque va perdre en performance. Et puis après, finalement, vous ne pouvez plus écrire dessus. Vous pouvez juste lire vos données dessus. Donc à la fin, ce que nous vous conseillons, c'est d'utiliser les SSD comme disque de démarrage pour démarrer vos programmes, vos logiciels et tout ça. Et le HDD comme un disque de sauvegarde. Nous vous donnons rendez-vous sur nos différents canaux de communication, notamment notre page Facebook, notre chaîne YouTube. Et notre site internet pour tout ce qui est produit, tout ce qui est matériel que vous souhaiterez toujours dans le milieu d'été ici. Sur ce, nous vous donnons rendez-vous le vendredi prochain pour un nouveau numéro. Merci et à très bientôt.